Bonjour, voilà c'est parti des quatre arbres. On va rallier la Buon Baggio par la route du Nord en passant d'abord par Réau et puis Terang. Là on arrive sur Cajon, on passe Cajon. Et puis bon, les routes sont totalement détrempées en plein mois de juillet, assez rare. Vraiment beaucoup de boue, beaucoup de pluie. On arrive sur le village de Rego où on peut voir la mer à droite. On est sur une crête de montagne environ à 700-800 mètres d'altitude. Et puis on va arriver sur la côtière, la route du Nord, qui a été ouverte il y a 2 ans. Alors j'espère pouvoir passer, même si c'est un peu difficile, mais je vais avoir de belles surprises. On va voir ça tout à l'heure. En tout cas, très 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 sympa, une route graveleuse, c'est très bien pour l'off-road, quand c'est dégagé comme ça, c'est sympa. J'arrive à Pontianak, je suis content, tout s'est bien passé, ça a bien roulé. Et puis, sans le savoir, j'arrive à la partie de la piste la plus difficile. Ouais, de la savane et en plus de ça de la boue en dessous. Alors bonjour, on ne sait même pas où on met les roues. Enfin on a des petites trouées, on arrive à voir. Puis parfois soudain ça se dégage, donc on peut respirer, on en profite. Avant que ça se resserre, qu'il y ait des arbres au milieu, quoi, des branches surtout. Ça a été nettoyé la première fois il y a à peu près 1 an et demi. Et puis bon, la première gamelle, ben oui, il en faut. Première gamelle, je commençais à être fatigué. Mais on y croit, hein, on y croit. Je suis obligé d'avancer, j'ai pas trop goût à revenir non plus. Et de deux. Ok. Espero que se bañe con tu pantou, eh? Bye bye, Xutar. Jangan terlalu ngebut, pelan-pelan jalan. Ya, la cola-cola. Ejol, ejol. Ejol, hejol. Hello. Saya mau bongkar ban itu bocok. Bongkar ban. Bisa bantu saja sebentar. Pegang motor biar saya ganjal dia. Le lendemain, me voici parti pour Uteng, en allant presque jusqu'à Lembor, mais juste avant, je tourne, je prends une bifurcation qui va vers Datak, et en fait, qui va rallier presque Noa. Noa, c'est un grand village au milieu des montagnes. Puis après, il y a un embranchement à droite, et je vais vers Tianchar. Les rizières de Liangboa, puis la Ruma Adat de Kampung Tibal. Et je me dirige vers la cascade de Pankadari. Très 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 belle cascade. Bon, pour y aller, le chemin en moto est un peu space, surtout le matin, c'est hyper glissant. Donc je préfère arrêter et puis continuer à pied avant de me reprendre une autre gamelle de bon matin. Merci, Diao. Yeah, ok. Super agréable, très belle marche dans la forêt et puis soudain le bruit de l'eau. Tidak tahu di sananya dia lewat jembatan Ulu Besi. Tidak tahu apa bersih atau tidak. Kalau dari sini dari oh jalannya semakin sempit itu. Iya, mendaki lagi. Tujuannya bolol. Oh, tidak Loce. Bisa jadi. Ya. Ah, oke. Okay. Oke, okay, tiba-tiba. Ya. Jadi tidak bisa sampai jembatan ya. Ah. Oh, oke. Okay.
Allez, un dernier petit village, une petite visite, boire un petit café, boire un peu d'eau avant de rentrer aux Quatre Arbres, dans la région de Latoun. Bye bye. Oh, aïe. Et ni buntu jalan, ya? La kira bisa putar, tu là. Oh, il y a bien. Ah, et me voici en train d'arriver aux Quatre Arbres, bien content de rentrer chez moi. Super, mission accomplie, j'arrive à rentrer. À la prochaine les copains.